Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais préparer une pâte à pizza avec le Monsieur Cuisine. Vous allez voir, c'est hyper facile et rapide, ça coûte rien. J'ai choisi la recette du Thermomix, mais la recette de Monsieur Cuisine est quasiment la même, sauf que eux, ils ajoutent du sucre, et je trouve ça, pour ma part, inutile. Après, c'est à vous de voir. Allez, c'est parti! Pour les ingrédients, il vous faut 5 g de levure boulanger, 150 g d'eau, 250 g de farine, 1 cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je commence par verser mon eau et ma levure sèche dans la cuve et ensuite je fais chauffer pendant 2 minutes à 37 degrés à vitesse 2. Ensuite, j'ajoute mes 250 g de farine, ma cuillère à café de sel et mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, dans le menu de base, vous allez choisir malaxer pendant 2 minutes. Voilà, ma pâte à pizza est terminée. Donc maintenant, il faut la laisser gonfler pendant 1h30-2h, comme une pâte à pain. Vous allez voir, elle va doubler, même tripler de volume, et vous aurez donc l'équivalent de 2 pâtes à pizza. Donc moi, j'ai pas eu le temps. Si vous aussi, vous n'avez pas le temps, vous pouvez la laisser gonfler une demi-heure, une heure. Après, forcément, elle gonflera un peu moins. Et donc là, moi, au bout d'une demi-heure, du coup, j'ai l'équivalent que d'une seule pâte. Ensuite, il va falloir étaler votre pâte à pizza. Donc, c'est une pâte assez élastique par rapport à la pâte sablée ou la pâte brisée, mais elle s'étale très facilement. N'hésitez pas à ajouter de la farine s'il faut. Essayez de la faire à peu près ronde pour pouvoir la mettre dans un moule à pizza et avec un couteau, au pire, vous coupez les beurres. Et voilà une pâte à pizza prête à l'emploi, terminée, ça a été facile et rapide. N'hésitez pas à la refaire chez vous, je valide à 100%. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Allez, ciao !